Hello la famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle version du logiciel Wondershare Filmora, la version 11, en tout cas, à vrai dire, la toute dernière version qui existe actuellement. La maison Wondershare a fait des mises à jour et il nous ramène ce nouveau produit, cette nouvelle version du logiciel Wondershare que moi personnellement j'utilise et que j'apprécie énormément. Sans plus tarder, je vais vous faire la présentation. Pour les utilisateurs du Wondershare Filmora, comme vous pouvez le constater, il y a déjà des choses qui se sont ajoutées, notamment le changement de la page d'accueil. Avant, c'était pas comme ça. Non. Là, vous pouvez voir, il y a eu un changement total, un changement amélioré de la page d'accueil. Là, on a le nouveau projet. On a la possibilité de recadrer automatiquement, de créer des montages auto avec des rythmes ou encore d'enregistrer des écrans déjà à ce niveau-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. On va directement créer un nouveau projet. Donc, lorsqu'on crée un nouveau projet dans le logiciel Wondershare Filmora, ça reste le même principe, le même interface avec le panneau des médias, la timeline ou encore le panneau montage et ensuite notre panneau de prévisualisation et d'autres éléments qui sont là, mais avec des ajouts supplémentaires tels qu'au niveau des échantillons. On commence par le média bien sûr. Au niveau des échantillons, le logiciel Wondershare Filmora nous a ajouté pas mal d'échantillons avec fond vert que nous pouvons utiliser, comme vous pouvez le constater, que nous pouvons utiliser en tout cas de façon améliorée, toujours de façon qu'il aime. Il nous a ajouté encore des échantillons un peu plus poussés que nous pouvons utiliser. Après les échantillons, tous c'est les mêmes choses. Là, nous avons les médias, toujours les médias. Il nous propose, il nous donne la possibilité d'aller directement dans des sites ou encore dans des plateformes de banques d'images comme des banques de vidéos. N'est-ce pas génial? En tout cas, pour moi, c'est génial. On continue dans les audios. Il y a encore des nouveaux packs d'audio qui nous a ajouté. Des packs vraiment qui vont nous servir, qui nous seront vraiment très utiles et très avantageux. En tout cas, au niveau des titres, n'en parlons même pas. Moi, je suis totalement KO parce qu'il a essayé de scinder les titres par rapport au thème, par rapport aux éléments que nous utilisons. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé. Il y a des thèmes, il y a des titres qui se sont ajoutés. Moi, je pense que c'est simplement le pack de texte qu'il nous a donné et qu'il a amélioré encore davantage. Donc, pour ceux qui vont craquer le logiciel Filmora, vous aurez la possibilité d'utiliser ces textes-là. Pour ceux qui vont aussi l'acheter, vous aurez aussi la possibilité de l'utiliser en plus. Donc, il y a des textes qui sont là. Je vais essayer de vous montrer certains textes que moi j'ai déjà utilisés, que moi j'ai téléchargés, comme vous pouvez le constater. Regardez, il y en a beaucoup. 100% modifiable. Vous pouvez simplement essayer de télécharger tout ce texte là, ok, et de le modifier ensuite comme vous voulez. Vraiment génial. Donc il y a beaucoup de tests. Essayez de télécharger le logiciel. Si vous ne maîtrisez pas comment le craquer, vous pouvez mettre dans les commentaires comment craquer le logiciel Filmora, la nouvelle version. Et moi, je pourrais simplement faire la vidéo pour vous montrer comment craquer cette version du logiciel Filmora. Après le texte, nous avons les transitions. En tout cas, il y a des transitions supplémentaires qui se sont ajoutées, comme vous pouvez le constater, de façon très géniale. Je vais essayer de survoler. Donc, il y a beaucoup de transitions, beaucoup des transitions qui se sont ajoutées. Après les transitions, il y a des éléments, des effets qui se sont ajoutés. Surtout en matière de spectre audio, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'effets, beaucoup d'éléments qui se sont ajoutés. Wondershare Filmora vous donne la possibilité de synchroniser les sons, votre audio, de façon très simple, de façon très facile. Il vous donne aussi la facilité de synchroniser du texte à votre voix. Il vous donne aussi la facilité de faire pas mal d'éléments au niveau de la nouvelle version du logiciel Filmora 11.